Matthews. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. J'ai été fatigué. Je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Ah, oh, tu me rends dingue. Tu m'en fous. Ah, oh, je suis fou. Ah, oh, trop le va ton cul, ton cul. C'est mon génie. Il a envie de se faire tabasser, c'est tout. L'argent est là. 130 000 dollars. Tu n'auras jamais l'occasion de le voir de plus près. Mais je te propose un marché. Dis-moi où est Johnny et je t'achèverai très vite. Je te promets que tu ne sauras jamais si ta couille gauche a le même goût que la droite. Mais si tu lui as fait le moindre mal, je ferai en sorte que ça dure 3 semaines. Je te ferai faire des transfusions de sang pour te tenir en vie, s'il le faut. Le petit cochon est pendu au plafond. Je t'écoute. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Tu as 2 orteils, on dirait du roast beef. Encore 8. Puis ce seront les genoux, porteurs. Je te laisse deviner à quoi on passera ensuite. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B qui vous propose aujourd'hui une émission exceptionnelle en compagnie bien évidemment du docteur Moreau. Bonjour. Attention, le sujet va vous surprendre. Ça faisait quand même longtemps. Je me suis même retenu pendant pas mal de temps. Hein. On n'a pas cité le nom de Mel Gibson pendant nos 2 émissions Lumette. Je crois. Ouais. Peut-être que j'ai une connerie, mais je crois que je l'ai pas cité. Et je crois qu'il y a encore au moins 2 émissions avant ça où j'en avais pas parlé ou très très peu. Mais bien évidemment, c'est un événement. Ça faisait 10 ans qu'on attendait ça. Axe Orange est sorti au cinéma, Tu ne tueras point en français. Il y a du cinéma au cinéma, déjà c'est un événement en soi, il faut en parler. Donc on va consacrer notre heure pour parler de ce film réalisé par Mel Gibson. Voilà, déjà. C'est-à-dire qu'on va pas parler du film de Cattel qui les verrait, alors? Non, je pense qu'on va rester à parler de cinéma aujourd'hui. Avant même de, j'en ai des extraits un petit peu à passer, pas trop, mais c'est vrai que plutôt que de démarrer toute cette émission en crachant ma colère, envers quelques-uns, je me pensais passer cet extrait que tu m'as ramené, que je trouve très chouette, de Witness, de Peter Weir, donc plusieurs liens évidents avec Mel Gibson, qui, donc je le rappelle pour tous les gens qui n'auraient jamais sorti la tête de leur livre ou quoi que ce soit pour regarder un film. Donc Peter Weir a tourné 2 films avec Mel Gibson, dont Gallipoli, qui est un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, ou la... une guerre mondiale en tout cas, et qui a vraiment, je pense, des liens déjà avec Mel Gibson. De toute façon, Mel Gibson a beaucoup appris de Peter Weir et ça se ressent encore énormément dans Axe Orange. Moi, je peux le dire déjà tout de suite, ça faisait très très longtemps, je crois, que j'avais pas ressenti l'identification à ce point
point devant un film en fait sur un grand écran au cinéma. Ça faisait très très longtemps, voilà, de me sentir vraiment de ce sentiment d'immersion, d'identification. Il est là, il est extrêmement présent. Je sais pertinemment que c'est l'un des points principaux sur lesquels a bossé Mel Gibson, et il a complètement déjà réussi ce truc-là. Donc bravo à lui. Donc on va écouter cet extrait de Witness de Peter Weir avec Harrison Ford, qui date de 85 si je dis pas une connerie, ou autour de 85 en tout cas, et juste après on va quand même présenter un petit peu Axel Ridge. Cette arme de feu, elle sert à prendre une vie humaine. Nous pensons que c'est mal de prendre la vie. Seul Dieu a le droit de le faire. Bien des fois les guerres sont venues, et bien des fois on nous a dit: il faut vous battre, il faut tuer. C'est le seul et unique moyen de préserver le bien. Mais Samuel, il n'y a pas qu'un seul moyen. N'oublie pas ça. Pourrais-tu tuer un autre homme, Samuel? Je ne tuerai qu'un homme méchant. Tu ne tueras qu'un homme méchant, oui. Et tu reconnais cet homme au premier coup d'œil? Tu es capable de regarder dans son cœur et de voir cette méchanceté? Non, mais je vois ce qu'ils font. Je l'ai déjà vu. Alors, en parlant ainsi, tu deviens comme un de ces hommes. Ne comprends-tu pas? Ce que tu as dans tes mains, tu l'as dans ton cœur. Aussi, sache ne pas rester parmi eux. Sache d'emblée t'en séparer, a dit le Seigneur. Ne touche pas à la chose impure. Bon, maintenant va finir ton travail. Oui, grand-père. Ah, c'était donc un extrait de Witness de Peter Weir. Il s'agit d'une émission qui va élever vos âmes. C'est sûr. Dire tout de suite. Avant de parler vraiment du film, je vais pas faire non plus une revue de presse, mais ça faisait très longtemps aussi que j'avais pas acheté autant de revues de cinéma. Et je vais me faire un plaisir quand même, non pas de faire un petit tour, mais dans juste un petit mot sur deux trois d'entre elles. Un petit point juste gratifiant pour Mad Movies, qui a eu la très bonne idée de faire la couverture sur Mel Gibson. Donc je suis content, avec un tout petit truc dedans, mais c'est quand même très très chouette. Et puis la critique de Cédric Delellé est pas trop mauvaise. Le deuxième magazine qui a gagné pas mal de points aussi, quand même ce mois-ci, alors qu'il en avait perdu pas mal depuis quelques temps, mais là ça remonte, c'est SoFilm. Ce film qui a laissé deux pages à Emmanuel Burdeau pour écrire, pour l'instant, la meilleure critique que j'ai pu lire du film, d'ailleurs. Donc deux pages sur Axel Ridge, Tu ne tueras point. Une critique que je trouve très 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 chouette. Et puis je l'attendais pas forcément là-dessus. Donc merci à Emmanuel Burdeau pour les deux pages dans ce film qui, voilà, remonte bien. C'est bien ce film. C'est bien. Et le meilleur pour la fin, le torchon que je n'achèterai plus. Peut-être dans 10 ans, quand ils auront retourné leur veste et qu'ils feront leur couverture sur Mel Gibson, parce qu'il aura sa rétrospective à la Cinémathèque, et qu'ils diront: oui, machin, c'est un auteur, tout bordel, on a tout compris. Donc, ces connards. Non, en plus, il y en a qu'un seul qui je reproche quoi que ce soit dans ce torchon, dans ce papier tu mouches. Donc, cette espèce de lopette qui est rédacteur en chef adjoint des Cahiers du Cinéma et qui a décidé de prendre les deux moignons qui lui servent de main, de les tremper dans son caca et de les étaler sur du papier. Je vais me faire un plaisir quand même de lire son papier, enfin si on peut appeler ça comme ça, qui est très court. Hein, c'est pour ça que je me permets ça. Alors c'est pas forcément écrit comme un enfant de 5 ans, bien au contraire. Hein, il a même parfois de bons mots. Je me demande juste s'il a vu le film ou peut-être qu'il l'a vu en VF, ou peut-être qu'il l'a vu avec un seul œil, en mettant du caca dans son œil avec son moignon, c'est tout à fait possible. Donc je vais me faire le plaisir quand même de lire ce torchon. Tu ne tueras point, on s'en doute, fait partie de ces films américains abusant de phrases qui se terminent par blablabla for this country. Ces phrases adressées avant tout et avec sévérité aux spectateurs états-uniens, lui demandant ce qu'il fait, lui, for this country, et sous-entendant qu'il ne s'en tirera pas avec une réponse du type « je tape des pieds en regardant un film de Mel Gibson ».
Comme la Seconde Guerre mondiale fait suite à la première, Tu ne tueras point fait suite à Sergent York, donc c'est un film de Howard Hawks, où Gary Cooper, Christian Born Again et objecteur de conscience enrôlé dans l'armée malgré ses convictions pacifistes, finit, for this country, par estourbir de l'allemand à qui mieux mieux façon tir au pigeon dans les Ardennes. Encore plus dur, le Desmond de Tu ne tueras point refuse carrément et littéralement, avec un point d'exclamation à la fin de littéralement pour montrer que quand même il sait écrire, de toucher un fusil et pourtant s'engage for this country. Pendant ses classes, ses copains de chambrée traitent le pauvre Desmond de lopette, la pire insulte qui soit. Donc déjà c'est faux. On est d'accord, il y en a un qui le traite de lâche, en effet, mais de lopette, non. Et en plus, ce tâcheron qui écrit ce papier laisse sous-entendre par le terme lopette quand même qu'on a affaire à un homophobe ou à quelques insultes homophobes, bref, ce que je trouve très très limite. Et en plus, de l'insinuer, de le sous-entendre plutôt que de l'affirmer clairement, c'est de la lâcheté intellectuelle, je trouve. Mais ces mêmes troufions seront bien contents de le revoir au champ de bataille quand, devenu brancardier, il sauvera une quantité phénoménale de soldats tripes à l'air, des velléités homicides, des Japs. À la fin, devant cette Übermensch 100% national, 100% Jésus, ainsi que le confirme un dernier plan tout à fait christologique, le bidas musclé fera amende honorable et dire que je t'avais pris pour une lopette. Voilà, bah monsieur, je vous déteste. Et je trouve ça lamentable que quelqu'un soit payé pour écrire dans un journal comme les Cahiers du Cinéma, qui malgré tout, malgré toutes les conneries qu'ils peuvent raconter, reste encore une espèce de référence de la critique, mais pas uniquement en France. En plus, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, quand tu dis à quelqu'un je suis des Cahiers du Cinéma, t'es un critique, t'es considéré comme un critique. Un réalisateur peut encore aujourd'hui justement être attiré par ça, quoi, et de voir ce que c'est là aujourd'hui en octobre, novembre 2016. Moi, ça m'attriste profondément. Découvre la vidéo internet en novembre 2016. Je suis désespéré. Bon, moi je souscris pas entièrement à tes propos parce que les Cahiers du Cinéma. Parce que t'espères travailler pour eux, c'est pour ça. Ah non, ça pas du tout, pas du tout. Ouais. Mais moi ils me fascinent parce que je pense qu'ils sont dans leur période Mao mais en mode 2.0. Hein. C'est vrai que l'histoire des Cahiers c'est sûrement la revue la plus célèbre au monde et c'est vrai que bah en ce moment des fois on se dit bah ils font n'importe quoi mais il y a des petits éclairs de génie. Alors évidemment ça n'en fait pas partie mais en même temps c'est une notule, je la trouve brillamment écrite, c'est très haineux. En même temps, ça me gênerait pas si c'était écrit de la même façon pour un film que je déteste. Donc voilà, je vais pas le reprocher ça. Voilà, par exemple. Qui a le droit à deux pages pour dire à quel point c'est beau et machin. Je pense pas. Mais j'ai pas lu, hein, mais je pense pas. Bon, en tout cas, nous, on va parler un peu plus sérieusement quand même de Tu ne tueras point. Pour revenir un peu rapidement quand même présenter le film, faut savoir que contrairement aux autres réalisations de Mel Gibson, donc jusqu'à ce jour, hein, depuis 23 ans, il en a fait, donc il y a eu L'Homme sans visage, Braveheart, La Passion du Christ et puis Apocalypto, sorti il y a 10 ans. C'était jusque là, en tout cas pour les plus importants, hein, des films quand même qu'il a porté vraiment à bout de bras et qu'il a lutté pour les mettre sur film. Je pense à part Braveheart. Si, Braveheart, il a lutté quand même parce que il voulait vraiment le réaliser. Il a même accepté justement de faire l'acteur pour pouvoir le réaliser. C'était un truc auquel il tenait particulièrement. Mmh. Il s'est donné à fond. Et les deux autres, il a mis de son pognon. Comme Apocalypto, comme La Passion du Christ, pour le coup, il a mis de son argent dedans. Voilà, pour montrer à quel point quand même il les voulait. Là, celui-ci, c'est vrai qu'on est venu lui proposer ce projet. C'est un projet qui tourne depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années maintenant, dans les mains des studios. Moi, je sais que je suis inscrit hein, sur plusieurs groupe dans les réseaux sociaux qui concernent Mel Gibson. Plusieurs forums d'extrême droite dans le dark web. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, c'est pas vraiment une chance, mais bon, j'ai eu la curiosité en tout cas d'aller rencontrer virtuellement le type à l'origine de ce projet, hein, le petit-fils de Bing Crosby, Gregory Crosby, hein, qui est un peu culturiste et qui, il y a 15 ans, du coup, a réussi à acheter les droits d'adaptation à Desmond Doss, qui ne voulait pas le faire. Donc, Desmond Doss, c'est le héros de Tu ne tueras point, qui est mort maintenant il y a quelques années. Je crois qu'il est mort il y a 10 ans, un truc comme ça. Et donc, le petit-fils de Bing Crosby a réussi à acquérir les droits, a tapé un script avec ses doigts tout musclés et pas ses doigts de lopette en tout cas et alors, en sachant que lui-même est du coup quand même assez un catholique pratiquant et végétarien, ce qui correspond au personnage du coup de Desmond Doss un peu, qui était pas du tout bodybuildé pour le coup, hein, c'était une brindille comme le dit très bien son sergent chef interprété par Vince Vaughan dans le film. Le fait est qu'en tout cas voilà, il a écrit un script ou quelque chose qui y ressemblait, qui finalement a été réécrit
par deux autres scénaristes, hein, qui sont du coup crédités comme scénaristes dans le au générique de Tu ne tueras point. Et en sachant que c'est quand même parenthèse, hein, mais une histoire vraie évidemment que dont Hollywood a voulu s'emparer très très tôt, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais Desmond Doss n'a jamais voulu. Voilà, c'est ça, et c'est pour ça que du coup le petit-fils de Bing Crosby, lui, avait réussi à ça, et il s'est fait du pognon, hein, je pense, vachement. Mais en attendant, alors je sais pas à qui a été proposé le projet avant Mel Gibson, je serais incapable de le dire. Je sais qu'il y a d'autres noms qui ont tourné, hein, mais le fait est que voilà, c'est tombé dans ses mains. Il y a pas très très longtemps, hein, je crois que c'était il y a 3-4 ans maximum que ça lui est arrivé dans les pattes, qu'il a pu lire le script. Et donc c'est une commande, hein, vraiment. C'est Icon, la maison de production de Mel Gibson, n'a pas foutu de billes, je crois. Enfin, en tout cas, elle n'est pas au générique, donc je pense qu'elle n'a pas foutu de billes dedans. Alors qu'elle continue à distribuer des films et qu'elle en a produit d'autres entre temps, notamment je crois une adaptation de, alors je sais plus si c'était Lovecraft ou Poe, mais en tout cas le fait est que voilà, c'est pas un projet qu'il a vraiment soutenu comme il a pu le faire avec ses précédents films. C'était il y a 10 ans en même temps ses précédents films, et ça se sentait très tôt quand même à l'annonce de la réalisation de ce film que Mel Gibson, qui venait d'arrêter de boire, qui venait de se retrouver un petit peu une stabilité dans sa vie professionnelle comme privée, il commençait à refaire des petites apparitions, il a arrêté, voilà, il y avait plus trop de scandales autour de lui, qui cherchait vraiment en tout cas à se faire réaccepter par le milieu grosso modo et par le public, parce que pour l'instant c'était pas ça, quoi. Donc le projet faisait très très peur. La deuxième annonce, moi, qui a pu me faire peur, c'était avant sa présentation à Venise qui avait lieu au mois d'août, c'est que lui-même avait admis avoir coupé deux trois plans du film, et que c'était pas du tout des plans gore, quoi que ce soit, c'était des plans qui étaient négatifs à la rapport à la religion. Et ça m'a inquiété encore une fois énormément, en me disant, même, enfin, merde, s'il en arrive à se censurer lui-même sur un truc comme ça, est-ce qu'il a pas vraiment mis beaucoup d'eau dans son vin, ou dans sa vodka, ou ce qu'il était en train de, je sais qu'il a priori arrêté de boire, mais bon, quand même. Donc très inquiet, et en même temps, voilà, aller voir Hacksaw Ridge, c'est une attente de plus de 10 ans, c'est aussi savoir que Mel Gibson est un fou, et c'est aussi avoir quand même eu vent des critiques qui sortent depuis justement fin août. On est au mois de novembre, et là depuis 2 mois il y a des critiques qui tombent. Le film a été proposé à la presse déjà depuis quelques semaines, et toutes les critiques sont complètement folles depuis que, enfin voilà, avant de voir le film on a déjà vu un paquet d'images, moi j'ai vu des making of, c'est ma faute aussi, hein, j'étais pas forcé d'aller voir ça ou de lire ces textes, mais c'est vrai que la curiosité m'a poussé à le faire, et que j'en ai beaucoup trop lu, et que tout ce que je disais, notamment, enfin tout ce que je disais, oui, était absolument vertigineux. C'était le plus grand film de guerre, en gros, jamais tourné, en tout cas les plus grandes scènes de guerre et les plus violentes jamais tournées, qui ramenaient au Soldat Ryan, mais bon, moi je j'aime pas particulièrement Soldat Ryan, et je il y avait deux références qui revenaient, c'était Ryan et puis Starship Troopers. Oui, et c'est vrai que il y a du Verhoeven là-dedans, et tous ceux qui peuvent être un peu nostalgiques, je pense au Cahiers du cinéma qui ont découvert Verhoeven il y a quelques mois, qui peuvent être nostalgiques de la violence qui était présente dans les films de Verhoeven comme dans Robocop ou Total Recall, et c'est vrai qu'il y a un plan notamment dans le film qui peut faire penser à une des séquences de Total Recall, hein, le fameux bouclier humain, enfin cadavre bouclier humain, qui est quand même très très impressionnant, enfin c'est un plan que moi je trouve complètement. On peut dire d'ailleurs, si vous avez pas vu, vous comptez aller le voir, mais n'écoutez surtout pas cette émission. Surtout pas. Ah non, ça va être bourré de spoilers. Après, c'est des spoilers, en sachant que le film lui-même ne recèle pas de twist, il y a pas c'est mais pas si vous voulez pas avoir le même désagrément que qu'Étienne, voilà. C'est ça. Non, mais allez voir le film de toute façon, vous allez voir du cinéma, c'est merveilleux. Le film après lui démarre tout de suite par de toute façon en annonçant la fin, hein, on sait la fin, c'est la première image du film, on est plongé dedans tout de suite. Du coup, tu m'as coupé pendant que je disais je faisais un spoiler. Starship Troopers. Ah oui, Verhoeven, un plan complètement fou, qui moi m'a profondément marqué de ce bouclier humain. Et non, j'ai perdu le fil de ma narration, mais c'est pas grave, on va peut-être pouvoir se lancer directement. Ah si, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'était pas un film qui reposait sur de toute façon
son un twist ou n'importe quoi ou une fin classique, c'est sans doute le film le plus conceptuel de Mel Gibson. Justement, il y a toute la deuxième partie, par exemple, il y a quasiment pas de progression narrative. C'est assez fou de réussir à tenir, d'ailleurs, je pense, une heure. Je crois qu'il y a presque une heure de boucherie, hein, et sans vrai fil narratif, mis à part un petit truc tendu de ce personnage qui donc va chercher à sauver ses copains. Enfin, c'est les pioupiou qui se sont fait arracher les jambes ou un bout de la tête, mais qui sont pas encore morts. Alors lui, du coup, il va les sauver. C'est particulièrement dégueulasse, mais en même temps, c'est pas du cracra comme La Passion du Christ. Je veux dire, ça fait pas mal. On va y revenir après, je pense. Il y a plus de progression narrative que dans La Passion du Christ. Enfin, je veux dire, il y a plus d'ingrédients narratifs, non pas de progression narrative, mais en tout cas, il y a plus d'enjeux dramaturgiques. Il y a peut-être plus d'enjeux dramaturgiques, mais pour moi, ça reste quand même son film le plus il reste beaucoup plus conceptuel que la Passion du Christ, rien que par sa construction, beaucoup plus qu'aucun de ses autres films. On va revenir là-dessus, justement, peut-être sur sa construction même. Et rapidement, hein, comme tu l'as dit, c'est l'histoire vraie de toute façon de Desmond Doss, qui était donc un soldat qui était objecteur de conscience, qui à cause de sa religion, j'ai essayé de retenir le nom de sa religion mais j'ai oublié, et donc voilà, il était objecteur de conscience, il ne pouvait pas toucher une arme, il refusait de tuer, mais par contre il voulait aller servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale pour se battre contre Satan, et il a dû passer par l'armée, donc il a dû se battre contre les autorités militaires pour pouvoir accéder sur le champ de bataille, et pour pouvoir lui il voulait être médic, il voulait être infirmier. Sauf que pour être infirmier, il fallait quand même en passer par faire ses classes, et donc forcément montrer que tu savais te servir d'une arme au cas où, quoi. Lui, il refusait, et donc ça a été le premier objecteur de conscience américain à recevoir la médaille d'honneur du Congrès de la Croix de Fer des nazis. Et très bien, bon pour lui. A priori, c'est ce qui intéressait beaucoup les scénaristes, celui qui a acheté les droits comme ceux qui l'ont écrit. Mel Gibson, peut-être que ce côté religieux et héroïque l'a intéressé aussi, mais il est évident qu'il y a beaucoup d'autres choses qui l'intéressent. Moi, c'est évidemment pas le folklore des bourdieuseries qui m'a le plus intéressé, c'est comment ce personnage va, malgré envers et contre tout, rester fidèle à une conviction morale, qui lui sert de base pour être ce qu'il est, et qui va la garder jusqu'en enfer, parce qu'il s'agit quand même de plonger un pacifiste dans l'enfer. Et là, c'est ça, Mel Gibson, il sait bien le faire. Voilà. Et donc, pour revenir, donc le film est grosso modo construit en trois parties. Tu me parlais de quatre tout à l'heure, mais moi j'en vois trois. Hein, mis à part si on considère l'introduction de la petite enfance de Desmond comme une partie. Moi, je vois quatre parties parce que voilà, je pense que la première partie, c'est effectivement le un peu la jeunesse de Desmond, le moment où il rencontre sa petite amie. Voilà, parce que ça, c'est quand même c'est un tiers du film. Quasiment. C'est un tiers du film. Et c'est une très belle partie. J'étais vachement ému. C'est une sorte de pastorale américaine. Hein, voilà. C'est quelque chose qui est assez régulier. On a beaucoup parlé de Mel Gibson lors de cette émission et dans des articles qu'on a pu écrire, mais voilà, sur le côté, voilà, une sorte de pastoral, là on est vraiment là-dedans. Ça se passe en Virginie, je sais plus quel état américain, mais dans un quelque chose vraiment de profondément américain, filmé de façon très classique. On a presque l'impression d'être dans Quelle était verte ma vallée, hein, même si Quelle était verte ma vallée ne se passe pas aux États-Unis, mais enfin, il y a quelque chose de très qui correspond à une idéologie profondément américaine de la pastorale, et puis avec vraiment quelque chose de profondément naïf, hein, de ce personnage, voilà, qui va conquérir. Andrew Garfield, d'ailleurs, Andrew Garfield qui avait joué Spider-Man, qui était très très mauvais dans Spider-Man, et qui là, je pense, il a toujours cet air niais, hein, cet air naïf, c'est pas forcément niais, mais en tout cas, il y a une forme de naïveté qui peut être agaçante chez lui, mais là, elle est particulièrement bien sentie. Il est super, en fait, tout le long du film, il est super. Comme tous les autres acteurs, on en reparlera, mais déjà, Andrew Garfield est vraiment très très bien, et la boue et le sang lui vont très bien au teint. Oui, et puis du coup, cette première partie là où voilà, il va conquérir cette jeune femme, où il va conquérir, c'est même pas ça, hein, c'est vraiment il va se nouer une relation. Une très belle relation, parce que leur rencontre. Leur rencontre se fait sur. Tu vas me laisser finir mes quatre parties, parce que là tu me dis que j'ai tort, mais je vais faire les quatre parties, je vais le faire rapidement, puis après tu pourras parler. Tu reviendras à cette histoire d'amour après. Mais bien sûr qu'on y reviendra. Voilà, les quatre parties, ça. Donc ce moment
moment-là. Et puis après, bon, ça finit, il s'engage, scène d'entraînement, la grosse bataille, et puis après, le grand moment de gloire dans Garfield, c'est d'accord, ça, c'est les quatre parties. D'accord, donc tu sépares, en fait, la bataille sûr, et du reste. Parce qu'il y a trois assauts à Okinawa, grosso modo. Il y a le premier assaut. Il y a ensuite un deuxième assaut, c'est après le deuxième assaut. Pour moi, l'assaut, le scène de la boucherie, ce qui fait vraiment le gros de ce, le moment le plus spectaculaire, est-ce que tout le monde retient en premier lieu et peut-être probablement à juste titre du film. Oui, c'est l'assaut, quoi, vraiment, et ce moment où qui est absolument sidérant, ouais, de violence graphique, là où on retrouve le Gibson hyper violent. Voilà, il y a ça. Mais après, moi, je pense que oui, la dernière scène où la dernière partie où Andrew Garfield justement fait son acte de bravoure où il est tout seul sur ce plateau, sur ce cos ou je sais pas quoi, en train de secourir tous les blessés envers et contre tout, les bombardements, les Japonais qui sont là. Voilà, c'est une partie à part entière. Enfin, pour moi, la plus faible, mais en tout cas, voilà. C'est pour toi la plus faible, d'accord. Bon, j'aurais dit que c'était plutôt le camp d'entraînement qui était le plus faible. On va y revenir. Et justement, on peut déjà revenir, on va reprendre au début. On a encore un peu de temps, ça passe vite, hein, déjà on est à la moitié de l'émission, Antonin. Mais reprendre au tout début, il y a une introduction quand même sur l'enfance de Desmond avec son frère, hein, qui lui aussi va s'engager après, et du coup son papa, interprété par Hugo Weaving, qui est exceptionnel dans ce film, Hugo Weaving, qu'on avait pu notamment voir dans Matrix, hein, c'était toutes les trilogies des derniers temps, parce que Le Seigneur des Anneaux, et puis je crois qu'il y a une autre trilogie dans laquelle il apparaît, je sais plus c'est quoi, mais enfin voilà, c'est. Bon, j'ai jamais rien eu avec ce bonhomme, mais là il est particulièrement bien avec un personnage qui, en plus de ça, est vraiment super intéressant, je trouve, le personnage du papa, donc qui était un soldat aussi pendant la Première Guerre mondiale, qui a été traumatisé par cette guerre et qui depuis justement ne veut pas que ses enfants partent, enfin il le dira plus tard, ne veut pas que ses enfants partent à la guerre, hein. Lui il a perdu tous ses copains, il passe son temps à picoler au cimetière devant les tombes de ses copains qu'il a perdu en France pendant la Première Guerre mondiale, mais qui en même temps est aussi alcoolique et violent avec sa femme, qui fait peur à tout le monde, qui est très content quand il voit ses enfants se battre, il dit bah voilà, ça va leur faire les pieds, ils s'amusent, tout ça machin, ce qui va très mal se passer. D'ailleurs il y a une scène, enfin l'introduction est quand même assez courte, mais Mel Gibson parvient quand même à déjà introduire quelque chose qui moi m'a pour le coup surpris. C'est deux gamins qui se battent, normal, comme deux enfants qui se battent, sauf que Desmond, lui, qui a des pulsions de violence pure quand il est petit, va choper une brique et la foutre dans la gueule de son frère. et c'est super brutal, quoi. Et il est à deux doigts de le tuer. Et déjà, là, il a un premier choc en se disant, merde, j'ai failli tuer mon petit frère, enfin, mon grand frère, en lui foutant une brique dans la gueule, quoi. Donc voilà. Mais c'est très intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé cette première partie vraiment assez bouleversante, quoi. Elle est super. Je sais pas trop, en fait, pourquoi elle m'a bouleversé, parce qu'il y a aussi le rapport où on n'est plus trop habitué à voir ce genre de truc, parce que c'est extrêmement naïf quelque part. Voilà, oui. Il y a quelque chose qui est très naïf, parce que le personnage est très naïf, il rencontre quelqu'un qui est très naïf. Il y a vraiment le truc du premier date au cinéma et tout ça. Le mec est un peu maladroit, ils vont se rouler une pelle. Il dit, bah non, tu vas pas me rouler une pelle maintenant, elle lui fout une baffe et compagnie. Il y a un truc qui est très naïf, très beau. Et je pense que c'est aussi sa marche à fond, parce que aussi Mel Gibson arrive justement à mettre des moments de violence qui font contraster tout, hein, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a cette scène de baston entre les deux gamins qui est hyper violente. Hein, voilà, la scène de la brique, c'est taré. Il y a un coup de poing qui se donne. Oui, il y a aussi le coup de, voilà, il rencontre cette nana-là à l'occasion d'une prise de sang. Donc tu dis, putain, le Mel Gibson, il fout un coup de prise de sang. Tu dis, c'est un coup, il y a un côté viscéral qui va arriver là-dedans. Tu vois, c'est bizarre. Voilà, c'est pas, et même la première date dont t'aurais filmé qui que ce soit un coup de foudre ou je sais pas quoi. Il aurait pas filmé avec une seringue dans un bras. C'est pas possible. Donc il y a ce côté-là pastoral qui peut paraître un peu niais et tout ça, mais qui va être contrebalancé par des notes de violence, et aussi parce que on est déjà en temps de guerre, il y a déjà des gens qui sont brûlés à vif, des croisés déjà juste avant d'entrer, donc c'est une infirmière qui tombe amoureux, et en rentrant à l'hôpital il va déjà croiser justement un homme brûlé, dont le visage est vraiment défiguré. Il y a déjà ce truc là qui est magnifique, enfin ce type, ce maquillage, comme tous les maquillages, mais ce maquillage est absolument magnifique. En fait, cet homme est superbe, et il rencontre du coup cette infirmière, il tombe amoureux d'elle. Et juste, attends, je termine après, parce que moi il y a quand même une des scènes dans la première partie, je pense une de mes scènes préférées de la première partie, qui est très très belle et qui moi voilà, c'est le premier encart, comme tu l'as dit, ils sont au cinéma, donc je trouve ça, voilà, premier encart au cinéma, et le premier
la première conversation qu'ils vont avoir tous les deux, c'est Desmond qui va demander à sa petite, à la fille dont il est vraiment tombé amoureux, il y a un vrai coup de foudre, et j'y ai cru vraiment à ce coup de foudre, je trouve ça très très beau, et qui va lui demander c'est quoi la différence entre une artère et une veine, et puis elle qui va lui expliquer, bah voilà, une artère, le sang il gicle, la veine, le sang il coule, ah ouais, mais j'aime, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et c'est une super, une première encart Mel Gibsonien, voilà, où tout de suite ça parle du coup déjà de sang, justement, quoi. Mais en même temps, avec eux, il y a une vraie naïveté, il y a une vraie curiosité, lui il croit, et ils sont en fait, vraiment ça... beaux tous les deux, quoi. Mais bien sûr, en fait, j'ai... moi ça rappelle un autre cinéaste en activité toujours, ça rappelle Malick, cette scène-là. Et il y a beaucoup non de seulement trucs qui rappellent Malick. Hein, donc... Oui, oui, c'est vrai que bah, de toute façon, voilà, on a affaire à deux cinéastes très chrétiens, hein, voilà, et qui ont exactement. Il y a un peu de panthéisme aussi. Ouais, il peut y avoir ça, mais je pense que c'est vraiment le côté de chrétien qui va rechercher la grâce, mais qui va être très attentif à la chair quelque part. C'est l'un des fondements de la chrétienté, ce côté très charnel, ce côté d'une religion qui va fonder tout son système théologique sur quelque chose qui est très ancré dans la chair, donc celle du Christ et compagnie, la chair humaine, machin, et puis ce côté de transcendant de l'âme et compagnie. Et c'est vrai que bah, chez Malick, c'est très prégnant, c'est vrai qu'on retrouve ce truc chez Malick, des fois d'un côté qui peut être très naïf, et qui va toujours être contrebalancé par un côté hyper bizarre, très 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 physique, quasiment documentaire chez Malick, où d'un coup on se dit ouais putain, c'est pas, on n'est pas dans la transcendance du tout là, on est dans quelque chose de au contraire très très littéral, très très que ça soit dans la ligne rouge ou dans le Nouveau Monde, c'est vrai que de temps en temps chez Malick il y a un sursaut comme ça, même de brutalité extrême, où on te plonge au cœur de l'action et tu es dedans complètement, qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, juste à ce sujet-là, parce que il semble évident que c'est une référence à la fois pour la ligne rouge de Malick et pour aussi le Tune Tueur à Point de Mel Gibson, c'est le Sable était rouge de Cornel Wilde, un film des années 70 américain, donc qui se passe aussi dans la guerre du Pacifique, évidemment, qui est l'un des premiers films, je crois, vraiment de guerre qui utilise des effets gore et qui va, comme dans la ligne rouge en plus, pour ça, je pense que Malick l'a même carrément vachement pompé, hein, qui va utiliser des voix off de différents personnages secondaires pour rythmer son récit. Et donc voilà, Malick a je pense, bien pris dans le Sable était rouge. Mais je pense que c'est un cinéaste qui a aussi vachement influencé Mel Gibson, parce que déjà dans Apocalypto, on pouvait ressentir beaucoup l'influence d'un autre film de Cornel Wilde qui s'appelle La Proie Nue, qui est sorti en DVD chez Criterion, pour ceux que ça intéresse, hein, l'histoire d'un bonhomme en Afrique qui est poursuivi par une tribu, un film quasiment muet, un homme seul poursuivi par une tribu. Et qui Quand un film raciste. Ouais. Et c'était vraiment très très chouette, tout ça pour dire que oui, il y a un lien entre, en tout cas, Malick et Mel Gibson. Et d'ailleurs, Malick a piqué le chef-op de Braveheart pour faire Ligne Rouge. Il y a encore un, voilà. Mais non, mais moi, en voyant Axel Ridge, j'ai quand même revu. Enfin, Mel Gibson, c'est clairement un cinéaste cinéphile aussi, quoi. Il a vu beaucoup de choses. On savait pour Apocalypto qu'il y a toujours eu beaucoup de Milius dans ses films, de toute façon, que ce soit pour Braveheart, pour Apocalypto ou pour celui-ci encore, qu'il y avait aussi du Predator énormément. Et c'est vrai que là, en voyant celui-ci, moi, pour le coup, j'ai tout, évidemment beaucoup pensé à Full Metal Jacket, comme je pouvais penser à Spartacus en voyant Braveheart. Là, on est plus en mode Full Metal Jacket, que ce soit en termes de construction, vraiment du film, mais aussi toute la séquence dans la deuxième partie, justement, qui va se passer dans le camp d'entraînement. Évidemment, on pense à Full Metal Jacket et Vince Vaughan. Mais le sujet n'est pas du tout. Non. Ouais. C'est pas du tout le même. Le traitement est pas du tout le même. Et ce qui intéresse, moi, j'ai eu l'impression. On pense presque plus à Starship Troopers. Je veux dire, le Full Metal Jacket, le propos de Kubrick est pas du tout pareil. C'est la scène de Full Metal Jacket qu'on retient, c'est évidemment ce sergent instructeur qui insulte ces bonhommes. Après, ça a été repris 10 000 fois, mais c'est probablement Kubrick qui a vraiment fait ça de façon très forte, qui reprenait probablement Patton ou des choses comme ça. Mais voilà, il y avait quelque chose qui était très prégnant. Et forcément, quand on voit Vince Vaughn en train de balancer des vannes et humilier ses troufions, on pense à ça. En fait, mais le sujet n'est pas du tout le même. Enfin, la déshumanisation n'intéresse pas du tout Mel Gibson. Non, justement, c'est même l'inverse, je pense. C'est-à-dire que justement, au contraire, Mel Gibson, j'ai l'impression qu'il a pris exactement le contre-pied de Kubrick, à savoir justement insuffler de l'humain absolument partout, quoi. C'est-à-dire qu'il en faut dans tous les coins de l'humain, alors que... Oui, bien sûr, mais c'est un classique, quoi. C'est pour ça. Enfin, Kubrick, oui, c'est un cinéaste cérébral qui va filmer des systèmes. Lui, le système, ça n'intéresse pas. Non, et il est dans l'immersion totale constamment, et pour ça, il faut la passion.
passion constamment, de la passion, de la passion, de la passion, de la passion, constamment, dans quel que soit ce qu'il est en train de filmer. Et lui, il la met aussi. Tu la ressens dans chaque plan de son film. Il croit à ce qu'il filme profondément et avec beaucoup de premier degré. Il n'y a pas d'intellectualisation, contrairement à Kubrick. Par contre, il y a un truc il y a un sujet qu'ils peuvent avoir en commun. C'est la violence quand même, quoi. La violence que Kubrick a souvent traité. Et moi, je fais déjà un bond dans ce que je voulais dire, mais comme ça, j'oublierai pas. C'est que j'ai eu l'impression dans Brevard comme dans La Passion ou Apocalypto. Évidemment, c'est des films qui déjà étaient très très violents. Par contre, on avait plutôt une violence structurée, c'est-à-dire que c'était un geste violent qui allait entraîner du coup du sang, n'importe quoi, enfin quelque chose d'assez classique malgré tout dans la violence, même si elle était montrée d'une manière outrée et brutale comme ça n'avait jamais été fait. Là, pour moi, il est passé à un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'il est passé au cran au niveau Peckinpah, en fait. Je pense au premier assaut. C'est Peckinpah level. Non, mais oui, vraiment. C'est-à-dire que pour moi, il y a un Peckinpah level que pour l'instant, à part Peckinpah, personne n'a atteint ce niveau, à part justement Mel Gibson aujourd'hui, c'est-à-dire ne plus parvenir à filmer la violence elle-même, et non pas des actes violents, des gestes violents, mais filmer la violence, comme c'est le concept même, et j'avais l'impression, pendant le premier assaut, de voir vraiment la violence et la guerre, la violence de la guerre, voilà, de voir ce concept même. Donc quelque chose qui aura affaire un peu au chaos, par exemple. Enfin, c'est-à-dire mettre de côté, par exemple, Braveheart, qui reste la référence totale en termes de mise en scène, de combat épique, reste sur un plaisir chorégraphique, quelque part. S'il se servait de quelque chose, de filmer un peu le chaos, il arrivait à foutre du chaos, le chaos de la violence. Oui, c'était normal, ça restait quelque chose de purement jouissif, parce qu'on avait affaire presque à un match de rugby, quelque chose qui était de toute façon constamment jouissif. Dans les scènes d'affrontement dans Oxford Ridge, effectivement, on a affaire à quelque chose qui va vouloir atteindre, ouais, une sorte de chaos, de la violence, de l'enfer. Enfin, on touche toujours à des visions bibliques, mais il y a ce truc-là. Et que ce soit un camp ou l'autre, il y a un moment, moi je sais que dans le premier assaut, je savais plus très bien à qui appartenait ce fusil. On peut reconnaître, évidemment, il est brillant, c'est en termes de grammaire cinématographique, il est brillant, sa caméra est toujours placée là où il faut. Tu sais très bien ce qui se passe, il y a pas de problème. Mais malgré tout, au milieu de ça, toute cette fumée, cette boue, ce sang, qui est un montage par-dessus ça, qui fait que oui, j'ai ressenti le concept même de violence, comme j'ai pu le ressentir dans le final de L'Ordre Sauvage, par exemple. Oui, non, mais il y a ça, puisque c'est vrai que c'est, par exemple, Ryan, il faut sauver le soldat Ryan, qui est pour le coup assez admis comme une sorte de sommet de la représentation de la guerre au cinéma, essayait de figurer ça. Finalement, quand on regarde cette scène de Ryan, finalement, toutes les ficelles de la chorégraphie de la guerre sont là. On est dans quelque chose de plus classique, dans le sens où quand on regarde des vieux films de guerre hollywoodiens, c'est pareil, on n'en sort pas, on est toujours, et c'est toujours assez jouissif, hein, c'est génial. Moi, j'aime bien Ryan et j'aime beaucoup les films de guerre hollywoodiens, mais souvent, on est dans des mises en scène qui veulent respecter une sorte de, voilà, il y a des gens qui établissent une stratégie, on va avoir des personnages qui vont essayer d'établir, de obéir à cette stratégie, ils vont réussir, ils vont échouer, mais on sait toujours où qui que ce soit se place dans l'espace, le hasard va jouer son rôle, la chance, mais aussi voilà du plaisir, enfin la stratégie va jouer son rôle aussi, mais voilà, on est dans quelque chose qui va être de l'ordre du jeu d'échecs, du plaisir que peut avoir de la guerre vue de loin, mais pas le chaos de la violence d'êtres humains qui se foutent sur la gueule et qui se déchiquetent. Voilà, et ça, pour le coup, dans la dernière partie, enfin, du coup, ce que tu appelles la troisième partie de Oxford Ridge, à savoir quand il débarque à Okinawa, puisque donc du coup, il y a le camp d'entraînement, et puis là, il débarque directement à Okinawa, sachant que Desmondos a l'impression qu'il débarque comme ça, mais en fait, il avait déjà passé un... Bref, il débarque à Okinawa, et très très vite, du coup, il monte à l'enfer, parce que pour le coup, l'enfer, là, pour moi, c'est le plan du film. Enfin, c'est celui qui m'a. Je l'ai vu qu'une fois. Hein. Moi, je l'ai. Mais là, c'est je un sors peu, de la projection. Mais moi, ce plan-là,
c'est délirant. Enfin, quand il se retrouve au pied d'une sorte de grande falaise où on vous dit, bah, au-delà, c'est l'enfer. On voit des gens qui reviennent de là, ils ont le regard hagard. On va dire, bah, là, ça fait 5 assauts qu'on vient, on n'arrive pas. Voilà, c'est horrible ce qui se passe là-haut. Et là, Gibson filme, donc, du coup, cette falaise d'où pend une sorte d'échelle en corde que les soldats doivent monter pour accéder à ce champ de bataille. Là, il y a un plan là où je me dis où je ressens ce que je préfère chez Gibson, c'est vraiment une force picturale très forte que je ressens particulièrement dans Apocalypto où il a un sens pictural de fou pour faire une vision vraiment là on est de l'ordre quelque chose de très pictural qui est de l'ordre d'une vision folle quoi où là t'as une falaise une sorte d'échelle de fortune et tu vois qu'au-delà ça va être l'horreur mais voilà t'as une sorte de c'est comme s'il y avait une vision. Évidemment, dans le cadre du cinéma de Gibson, c'est une vision biblique. Hein, t'as quelque chose là-dedans, ça va correspondre à quelque chose comme ça. C'est ça qui est passionnant. Mais ouais, c'est hyper fort, quoi. Toute cette séquence. À partir du moment, enfin, moi, la partie où ils arrivent à Okinawa, jusqu'à la fin du premier assaut, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il aille récupérer. Je sais pas combien de temps ça peut durer exactement cette partie, mais c'est un des plus grands moments de cinéma que j'ai vu depuis très longtemps. Dans toute la progression que ça peut avoir, puisque du coup. Quand il débarque, déjà avant d'arriver vraiment à la falaise, il croise, oui, en effet, les camions remplis de soit de cadavres, soit de soldats dans un état lamentable avec des membres en moins, tout le bordel, qui reviennent de là et t'as eux les nouveaux qui arrivent, ils les croisent et déjà ce truc est complètement fou. Après, tu vas les voir monter. Il va y avoir ce petit passage complètement fou, je trouve, où ils sont en train de grimper du coup cette échelle de corde. Et il y a des gouttes de sang qui tombent et tu sais pas d'où elles tombent exactement, qui m'ont moi fait penser en fait à la goutte de vin qui tombe sur la robe de mariée dans Voyage au bout de l'enfer. Juste avant ça, en plus, il y a eu le coup de canon qui font exploser du coup comme le napalm dans l'introduction de Apocalypse Now, qui font exploser au-dessus de la falaise aussi. Enfin, il y a des plans comme ça, ça accumule des plans comme ça et progressivement, Mel Gibson te fait comprendre que oui, au-dessus, t'as pas encore vu ce qu'il y avait hein, pour l'instant. Hein. Tu sais toujours pas, mais il te fait comprendre que au-dessus, là, c'est oui, ça va être l'enfer. Et en effet, il va te montrer l'enfer ensuite, quoi. Et l'enfer, c'est beaucoup de boue. Beaucoup de feu, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'explosions. Les plus belles explosions qu'on a vues au cinéma depuis très longtemps. Là, franchement, et c'est des vrais. Hein. Enfin, faut regarder il y a des making of disponibles sur Internet. C'est exceptionnel le making of hein, pour le coup. Hein. C'est vrai. Il y a les types qui brûlent, c'est vraiment les types qui brûlent quoi. Les types qui il y a des explosions. Il y a 20 personnes qui sont mortes sur son. Non, mais c'est complètement fou. Je sais que c'est un truc qu'il adore. Dans Braveheart, par exemple, ça l'avait éclaté de savoir qu'il avait pété le record du nombre de types en feu dans le même plan. Il était super super fier de ça. On a le record du nombre de types en feu dans le même plan quoi. Et dès qu'il pouvait, qu'il avait pas besoin d'un décor, qu'ils avaient fini de tourner, ils foutaient le feu au décor et ils filmaient ça quoi. Donc du coup dans Braveheart déjà t'as pas mal de feu. Et là il s'est vraiment fait plaisir. Il a un no man's land dans lequel il fait tout péter et les corps pètent énormément. Et il y a un truc quand même il faut aussi préciser, c'est parce que ça faisait très très longtemps quand même que moi j'avais pas ressenti ça. Je sais que la dernière fois que je m'étais fait cette remarque c'était devant Miami Vice de Michael Mann où je m'étais dit à chaque fois qu'un coup est tiré ou à chaque fois qu'un type prend une balle dans Miami Vice, ça a un impact phénoménal. Et tu ressens chaque coup et il y a pas de voilà c'était assez fort et là ça a dû prendre des proportions complètement folles parce que c'est du coup c'est multiplié à la centaine le nombre de coups qui sont tirés et qui sont reçus et le moindre coup reçu et tiré est ressenti mais comme jamais je sais que ça joue beaucoup avec le son avec quoi mais c'est très 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 fort et du coup, moi, ça faisait, je pense, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était devant Apocalypto, justement, d'avoir vraiment, donc j'ai eu un rire nerveux, qui est un rire de jubilation. Je sais que je l'avais eu aussi un petit peu devant le final, c'était un truc de surprise aussi, mais dans le final de John Rambo, quand John Rambo mitraille à tout va, mais c'était un peu grotté, mais c'était de la surprise. Là, j'ai vraiment eu ce rire de jubilation, mêlé de d'effroi un peu et de vraie surprise devant ce premier assaut, justement, devant ce chaos, devant cet enfer, que met en scène Mel Gibson quand ils sont en train de vraiment se battre pour la première
première fois avec les Japonais et que c'est d'une violence terrifiante, mais d'une, mais qui est propre à la guerre. C'est pas de la cruauté comme ça pouvait l'être avec la Passion du Christ, où là, t'es face à du torture porn un peu, où tu fais, ah, c'est dégueulasse. Non, là, t'as une sorte de jouissance aussi, justement. Et c'est ça, moi, qui va me fasciner aussi, c'est que, c'est un film qui, en effet, met en scène un pacifiste et qui condamne, entre guillemets, la violence, mais pas vraiment, parce que justement, tu sens qu'il y a aussi un, non seulement un talent, mais un vrai plaisir quand même à la filmer et à la faire ressentir. Et moi, je me suis trouvé exactement dans ce sentiment-là, comme je peux le même que je peux avoir devant le final de La Horde Sauvage, par exemple, en me disant, c'est terrifiant. Ouais, mais qu'est-ce que c'est bon en même temps, quoi. Et c'est extrêmement rare en fait d'avoir ça. Je l'avais eu un peu devant Apocalypto, c'est évident, mais Apocalypto t'avais un souffle d'aventure que t'as pas forcément dans Hawks Ridge. Dans Hawks Ridge, moi pour moi c'est plus La Horde Sauvage que j'ai cherché un film d'aventure léger en fait. Apocalypto c'est pas particulièrement léger non plus comme film d'aventure, donc c'est pas le bon exemple, mais voilà. Bah, Hawks Ridge, j'en ai plus. Ouais, on peut s'écouter un petit extrait. Un truc un peu léger justement. Alors, un truc plus léger où t'avais ramené un extrait d'Aventure en Birmanie de Raoul Walsh. Bah, on peut passer ça. Ça pourrait nous permettre de rebondir. L'Aventure en Birmanie, c'est un peu le film de Raoul Walsh, donc sur la guerre en Corée, hein, je crois, la guerre de Corée, il me semble. Ou en Birmanie. Ben oui. Non, pardon. Non, c'est d'accord. Donc c'est pas ça. Non, mais si. Alors, je sais plus. Enfin, non, en tout cas, voilà. Ça met en scène des Japs. We're gonna get you out of here, fella. We're not gonna let you stay here. But don't touch me, don't touch me. The others got it too. And they wouldn't talk. How many men in your party? Over and over. Then they died. Listen, Nelson. Do me a favor. Will you please? Anything. Kill me, Nelson. Please, kill me. I ask you, please. I've been a newspaper man for 30 years. I thought I'd seen or read about everything that one man can do to another, from the torture chambers of the Middle Ages to the gang wars and the lynchings of the day. This is different. This was done in cold blood by a people who claim to be civilized. Civilized, they're degenerate, moral idiots, stinking little savages. Wipe them out, I say. Wipe them out. Wipe them off the face of the earth. Wipe them off the face of the earth. Voilà, c'est donc un extrait d'Aventure en Birmanie de Raoul Walsh, et je crois qu'Antonin avait un... Oui, non, mais moi, après, c'est toujours le cas du... toujours une des grandes questions du film de guerre. À partir du moment où on est centré sur un camp, on peut se poser la question, évidemment, de la figuration, de la représentation du camp adverse. Évidemment, c'est dit dès la deuxième partie, en tout cas dans le camp d'entraînement, c'est genre, là, on combat Satan. Donc là, on combat les Japonais, qui sont montrés ou désignés, en tout cas par les gradés américains, comme l'incarnation de Satan. Ça gens... correspond à une image de l'époque aussi, c'est-à-dire qu'ils avaient attaqué Pearl Harbor. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, c'était, mais voilà, on sait qu'ils ont été particulièrement féroces, voilà, et puis, que comment on représente ça. Donc évidemment cette scène là d'un film qui est absolument génial, hein, le film matriciel de Predator, on va dire, l'Aventure en Birmanie, on ressent vraiment l'influence quand tu vois Predator, quand tu vois l'Aventure en Birmanie, tu peux pas t'empêcher de penser à Predator, c'est vraiment un truc qui ressemble à ça. Et cette scène là où ce bonhomme, voilà, pour ceux qui parlent pas anglais, ouais, dit mais putain, mais oui, mais effectivement, ouais, je me doutais pas que les l'ennemi pouvait en arriver là. Moi j'étais plutôt un mec de gauche, mais finalement non, les mecs ils sont complètement horribles. Alors, faut savoir que quand tu vois l'image, après on va directement passer sur un plan d'un Japonais qui est aussi désespéré, évidemment, quoi. Mais et c'est un des trucs qui m'ont choqué à un moment dans chez Gibson, parce que moi chez Val Gibson, évidemment, pour moi, dans la première scène, dans la scène, dans le critique que tu dis des Cahiers du Cinéma, le fait qu'il soit traité de lopette et tout ça, moi je pense que
Bah, Gibson, il y a clairement un problème avec ça, avec l'homosexualité. Il faut savoir que le producteur du film qui pensait la même chose est juif et gay. Oui. Et mais... qu'il a déclaré à plusieurs reprises. Non, mais ça c'est évidemment, évidemment que les gens peuvent avoir de lui. Non, mais évidemment. Sauf que... C'est vrai que sa meilleure copine c'est Jodie Foster. Voilà, on le sait. Voilà. Mais il n'empêche que voilà, il y a quand même des scènes impardonnable à ce niveau-là dans Brave Heart et aussi dans Non, attends, la seule chose que je peux reprocher tu montres c'est un tyran, c'est un psychopathe qui a un geste homophobe. Oui. c'est pas le héros, c'est pas William Wallace qui est homophobe, sauf que là la scène est, au niveau dramaturgique, elle est entièrement dirigée vers le plaisir du spectateur de voir un bonhomme se faire éjecter de la gueule. Et ce bonhomme en question, il est homosexuel. Non, alors là c'est toi qui as un problème avec ton homophobie. Non. Parce que c'est pour montrer que le personnage est complètement taré, quoi. Oui, il est complètement taré, mais n'empêche que c'est un pur plaisir de spectateur. C'est vraiment c'est complètement dirigé là-dessus. Désolé, mais t'as un problème. Et dans la Passion du Christ, c'est pareil quand ils vont voir la Passion du Christ. Moi, je pense pas. Enfin, moi, je suis pas assez versé dans les écrits bibliques et tout ça pour penser que c'est antisémite. Je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi. Mais par contre, dans la représentation de homophobe, je le vois bien quand il va voir la cour du roi dégénéré. Je sais plus c'est quel roi de l'époque ou je sais pas quoi, qui est un roi gay avec sa cour de gay et tout ça, qui un roi décadent où la décadence est montrée comme l'homosexualité, où je lui dis, oui, effectivement, là, il y a un truc. Sauf que tu regardes l'homme sans visage, dans l'homme sans visage, il a une relation homosexuelle complètement platonique, d'accord, avec un enfant, en plus. Mais, et du coup, il est pas du tout montré comme un, ok. Tu vois? Donc, il a aucun problème. Tu t'es dénoncé. Non, en fait, au départ, dans l'homme sans visage, dans le roman, le personnage était beaucoup plus vieux, il avait pas 12 ans, il en avait beaucoup plus. Mmh. Et donc, Mel Gibson, il s'est dit, non, mais si je prends un enfant plus jeune, je peux pas trop laisser la relation homosexuelle. Donc, on va plutôt la transformer en relation père-fils. Par contre, il laisse planer un doute justement sur l'homosexualité même de son personnage à lui dans le passé, quoi. Voilà. En tout cas, pour en revenir à cette question de la représentation de l'ennemi, c'est quelque chose qui m'a un peu gêné au début, mais je suis toujours un peu enfin, pendant toute cette partie du combat, tout ça, je veux savoir qu'on les voit, il garde notamment une séquence finale où on voit un personnage. Oui, justement. Hein, mais après, voilà, c'est toujours le truc où tu dis, voilà, effectivement, de toute façon, t'as une focalisation dans le film. On est focalisé sur les Américains. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait d'individualiser l'ennemi. Eux-mêmes n'individualisaient pas l'ennemi. Il n'y a pas de raison que le spectateur les individualise. Et je me disais, bon, en même temps, j'ai pas envie que Mel Gibson me fasse une scène où d'un coup on va voir un japonais. Et puis qui sera montré dignement. Il le fait. Je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, la façon dont il fait. Parce qu'il le fait en train de mourir. Il le fait à la Gibson, quoi. Il le fait en train de mourir. C'est juste un mec en train d'agoniser avec les tripes à l'air. Ouais, et puis, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas eu assez de gorge tranchée, parce que dans tous ces films, il y a quelqu'un qui se fait trancher la gorge ou décapiter. Là, il le fait. Il le fait. Mais moi, je pensais plutôt au premier soldat que Desmond croise à un moment où dans il lui file une dose de morphine. Et puis après, t'as effectivement le général japonais. Parce qu'il a sauvé aussi des Japonais, il a pas sauvé que des Américains, il a aussi fait descendre des Japonais, en fait. Oui, bien sûr. Et là, en fait, il s'en sort très bien, parce qu'en fait, de toute façon, il y a plusieurs trucs comme ça, mais voilà. Donc, il s'en sort, et c'est plus qu'il s'en sort bien. Après, je suis d'accord avec toi, mais j'ai eu le seul truc qui m'a gêné, c'est pas tellement de représenter le Japonais, c'est juste que d'un coup, c'est un personnage japonais qu'on n'avait pas vu avant. Tu vois, évidemment, j'ai pensé aussi au diptyque de Clint Eastwood, Lettre d'Iwo Jima, et puis Lettre Mémoire de nos pères, où on venait d'un camp à l'autre. Là, le fait est que Mel Gibson, non, il cherche pas à revenir d'un camp à l'autre. Dans le film, il n'y a pas de personnage japonais qu'on verrait travailler sur leur technique, de comment ils vont les attaquer. À aucun moment, on est du point de vue constamment, de toute façon, de Desmond Doss, de ce personnage-là, et on est dans cet enfer avec lui. Et du coup, de changer le point de vue justement sur la fin pour cette scène, un truc que Desmond Doss n'a pas pu voir, n'a pas pu ressentir non plus. Ça m'a gêné parce que c'est pour le coup un vrai. Il y a plusieurs moments, de toute façon, où il fait il switch le point de vue. Il reste pas constamment dans le point de vue de Doss, mais ça reste des choses que lui pourrait dont lui pourrait avoir conscience. Alors que là, cette mort de ce colonel ou général japonais dans sa grotte à la fin, c'est pas quelque chose qu'il pouvait avoir. J'ai l'impression que Gibson était content de montrer quelqu'un se faire harakiri. Oui. C'était son occasion de le montrer parce qu'il va pas refaire un film sur la guerre du Pacifique tout de suite, a priori. Son prochain projet, c'est donc la suite de La Passion du Christ, La Résurrection.
Et juste comme ça, pour donner les gens pour dire c'est un peu con de faire la suite, ce bordel. La résurrection, c'est un peu limité comme sujet. C'est ce que lui a demandé un présentateur américain dans une émission. Et Mel Gibson lui a expliqué, oui, mais ce qu'il y a, c'est que pendant ces 3 jours où il était mort, eh ben, il est allé en enfer, Jésus. Et donc, on va montrer Jésus en enfer. Et voilà. Donc, ça peut donner envie. Donc là, c'était peut-être, je pense, son occasion, vraiment, peut-être unique dans sa carrière de cinéaste, de montrer un type se faire un harakiri. Et c'est, il n'utilise pas le gore à ce moment-là. Il n'y a pas d'effet gore vraiment. Il le fait avec une certaine beauté. Oui, parce que justement, il n'y a pas de oui, de le film a très raccord avec le cérémoniel de la Harakiri. Oui. Et c'est vrai qu'encore une fois, ça va revenir sur la question de l'honneur. Une question qui est récurrente dans le film, hein, sur cet honneur, ce courage de face à quelque chose qu'on peut pas éviter, à savoir la mort et le voilà. Ok, il le fait bien. On va devoir arrêter cette émission. On a encore beaucoup de choses à dire. Moi, j'avais des choses qui me tenaient même à cœur par rapport à ce film, des idées de moraux presque, qui me tiennent à cœur. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est que nous, on va continuer à parler. Vous pouvez venir, on est studio de Canal B. On va se quitter et puis vous pouvez retrouver, je pense qu'on va continuer de se raconter sur le site de Canal B. Et voilà. Et on va faire une director's cut. C'est ça. Voilà. On va faire une director's cut. En attendant, vous pouvez évidemment voir Hacksaw Ridge au cinéma, s'il vous plaît. Ça serait bien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Antonin. Vous pouvez retrouver sur Rue 89 une petite interview qu'on a pu donner. Ça, c'est un truc dont on pourra parler d'ailleurs dans la deuxième partie Director's Cut de cette émission. Et puis retourner aussi sur Vice pour relire l'article qu'Antonin avait pu écrire sur Mel Gibson. On va se quitter avec un extrait de L'Arme Fatale, le 2, je pense. Et puis on se retrouve très très bientôt. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis à très vite. Ciao. Des bisous. N'essayez pas de faire comme moi en rentrant chez vous. Oh. C'est mortel. Allez, c'est fini maintenant. Mettez votre feuille sur la table et retournez au compte. Vérifiez-leur. Il ne reste plus que 10 secondes. Il est... Oui. Oh merde. Voilà. Tiens, vérifie si ce machin n'est pas truqué. Comment t'arrives à faire un truc comme ça, mon vieux ? Eh ben, je me suis déboîté l'épaule une fois et je peux le faire quand je veux maintenant. Merde, ça fait mal ? Eh, très très mal. Mais pas autant que quand je les remets en place. Voilà, c'était un petit extrait de L'Arme Fatale 1. Pour les plus courageux d'entre vous, si vous nous écoutez, c'est que vous avez déjà écouté la première partie de cette émission. Il s'agit donc du bonus extrait de la Director's Cut de la spéciale Hacksaw Ridge par Mel Gibson, parce que finalement on n'avait pas terminé de raconter toutes nos bêtises sur ce film qui vient de sortir. Et on s'était quitté en parlant de je ne sais plus quoi d'ailleurs, c'était il y a 5 minutes, donc j'ai tout de suite oublié. Par contre, il y a plusieurs points sur lesquels on n'était pas revenu et qui nous tiennent quand même à cœur. Bon, l'un des premiers, ça reste quand même l'une des bases même de ce du film de Mel Gibson, à savoir donc du coup la conviction de son personnage principal, hein, Desmond Doss. Oui, en sachant que voilà, quand on avait vu le sujet débarquer, que ce soit un nouveau projet de Mel Gibson, à savoir un objecteur de conscience plongé en pleine guerre, s'est dit voilà, c'est quand même un truc pour Gibson, quoi. Ce qu'il s'est dit lui aussi. Oui, j'imagine. Voilà, on n'invente rien. Parce que lui, nous souffle les choses. Parce que, évidemment, Jésus, c'est un exemple évident, voilà, de cet homme soi-disant pacifiste. Dans le film de Mel Gibson, en tout cas, c'est un pacifiste qui va passer 2 heures à se faire torturer. Donc voilà. Par contre, c'est quelque chose auquel faut penser aussi. C'est le début de Braveheart, par exemple, quand William Wallace revient sur son territoire pour vivre son histoire d'amour avec la femme dont il est amoureux depuis qu'il est tout petit, d'ailleurs. Le père
de cette femme justement vient le voir un moment pour essayer de l'engager à venir se battre, défendre leur territoire contre je ne sais plus qui, et Mel Gibson lui refuse en fait, enfin William Wallace refuse en disant non mais moi je veux vivre en paix, je veux être tranquille, me marier, avoir des enfants, tout le bordel quoi. Et il est déjà en lutte avec son beau-papa, son futur beau-papa, qui va pas être son beau-papa très longtemps d'ailleurs, parce qu'elle va se faire égorger. Mais lui, il va être en paix, et c'est cet homme de paix qui va, malgré lui, parce que sa femme se fait trancher la gorge, plonger dans la violence quoi. Dans Apocalypto, pareil. C'est pareil. Apocalypto, c'est pareil. C'est un chasseur, certes. Là, on passe à un végétarien. Il y a quand même une grosse évolution aussi quand même dans la filmographie. Mais c'est pareil. Oui, on a affaire quand même à des pacifistes ou des gens qui veulent vivre en paix. En tout cas, ce que même l'homme s'envisage, c'est l'histoire d'un type qui vit reclus, qui veut vivre pépère, tranquille. Et c'est malgré lui que du coup il va se retrouver face à l'agressivité finalement de ses contemporains. Il y a toujours une grosse misanthropie aussi chez Mel Gibson, et elle est toujours un minimum présente, même si elle est quand même un peu radoucie, je trouve, dans Hacksaw Ridge. Mais il y a toujours eu beaucoup de misanthropie aussi quand même chez Mel Gibson, ce qui m'intéresse. Oui, après c'est quelque chose qui est au-delà de la misanthropie, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment issu de son éducation chrétienne quoi. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pastorale, qui a des fondements chrétiens évidents, voilà, du jardin Éden, et qu'on est chassé du jardin Éden, et que le jardin Éden est impossible quoi. Et Braveheart, il y a ça, Apocalypto, il y a ça, voilà. Apocalypto, on est clairement dans un mode de vie animiste, voilà, où on va être chassé de ce truc là pour arriver dans une civilisation certes décadente, sur le déclin et compagnie, mais voilà, où à la base, même si on chasse et tout ça, on est dans un mode de vie tribal, proche de la nature et compagnie, et on va être soumis à la violence de la civilisation. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent chez Gibson, mais même dans toute sa filmographie en tant qu'acteur, on retrouve ça dans beaucoup de films. Et là, du coup, dans Hacksaw Ridge, il y a vraiment c'est évidemment hyper conceptualisé. C'est assez amusant qu'il ait vraiment pris ce truc-là, parce que ça conceptualise vraiment tout son cinéma, ou toutes ses obsessions. C'est même presque trop. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été un objet de commande, on aurait pu se dire qu'il avait conscience finalement de son statut d'auteur et des thèmes qu'il peut développer, et qui faisait comme d'autres cinéastes morts peuvent le faire, le film qui correspond exactement à ce qui était leur cinéma quand ils étaient en forme. Là, il n'est pas encore là-dedans, je pense, loin de là même, parce que ça diffère énormément. Malgré tout, tu vois, tu parles du Jardin d'Éden dont on est chassé, par exemple. Alors, je sais qu'on peut considérer que l'agression des Japonais à Pearl Harbor était suffisamment violente pour que les États-Unis soient, parce que si on prend cette idée-là, les États-Unis sont le Jardin d'Éden, encore là, en tout cas son petit bled et le Jardin d'Éden. C'est pas une agression, il est pas chassé, c'est lui-même qui décide et qui lutte même pour en partir. C'est ça qui est déjà très différent, c'est que lui, il va se battre quand même au moins la moitié du film pour sortir de son jardin d'Éden, pour lui-même aller en enfer. Contrairement à ses autres personnages quand même. Là, il se bat très très fort, il a passé en cours martial, et il aurait pu éviter ces séquences-là, Mel Gibson, il était pas du tout obligé, il a fait beaucoup d'ellipses dans son film, il y en a beaucoup. S'il montre ces séquences-là où ce type se bat pour aller à la guerre, c'est clairement qu'il y a une raison pour ça quoi. C'est pas gratuit. Le type est tout à fait conscient de tout ce qu'il montre, la moindre séquence de son film et de son choix vraiment. Et bien sûr, mais après, ce qui est très amusant dans le film, c'est que à aucun moment, justement, dans le film, on ne comprend diégétiquement que pourquoi il part en guerre. À part le fait que, évidemment, on voit des gueules brûlées et tout ça, que on sent que le contexte est à la guerre, on ne sent pas, on ne va pas nous montrer les raisons. Il ne va pas y avoir une scène, par exemple, où il va voir des séquences horrifiantes où ses congénères vont être en train de mourir et compagnie. Non, on ne le voit pas. Non, il y a juste un dialogue pendant le procès, justement, où il le dit. Et moi, je le trouve assez convaincant, d'ailleurs, Andrew Garfield, quand il le dit. Mais c'est vrai que c'est juste une ligne de dialogue où il va expliquer pourquoi. C'est une histoire de devoir. C'est oui,
histoire de devoir, mais pas pas envers son pays. C'est une histoire de devoir envers lui-même, parce qu'il le ressent. C'est quelque chose qu'il ressent, qu'il doit le faire. Et ça se limite un peu à ça, mais en même temps, c'est ce que je trouve le plus convaincant, de pas aller chercher justement une explication. Moi, il m'aurait montré une scène. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est d'un personnage d'un seul bloc. Alors toi, tu sais que tu voulais parler de Rand, qui enfin voilà, c'est un personnage voilà qui est d'un seul bloc, qui oui. n'évoluera pas d'un iota pendant tout le film, oui, et alors, qui est en général qui est assez rare dans n'importe quel film. Et c'est vraiment particulièrement prégnant. C'est un personnage d'un seul bloc. Je sais qu'il y a des gens qui pourront le reprocher même au film, alors qu'au contraire, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. C'est que c'est quelque chose qu'on a pu voir, que j'ai revu Serpico il y a pas très longtemps. Dans Serpico, ce qui m'a marqué quand même, c'est le fait que ce personnage n'évolue pas particulièrement. Il reste sur une base. Il a une base qui à laquelle il va se tenir. Et en fait, c'est le monde autour de lui qui va évoluer, qui va essayer de le faire changer d'avis constamment, en essayant de lui filer des pots de vin, n'importe quoi. Mais lui, par contre, justement, sa lutte, c'est de rester lui-même et de le faire accepter aux autres, qu'ils le veuillent ou non. En fait, c'est ça le truc, c'est que il va pas même pas lutter pour essayer de convaincre les autres d'être comme lui. À aucun moment, Serpico non plus d'ailleurs, il va pas jamais le faire. Et comme Desmondos, il va jamais chercher à convaincre les autres, par exemple, d'être de participer à sa religion, de devenir des objets de conscience. À aucun moment dans le film, Desmondos n'essaye de convaincre quelqu'un d'être comme lui. Jamais. Lui, il est convaincu qu'il peut y aller, qu'il va être utile sur le champ de bataille. Et il veut juste rester sur sa base. Tu ne tueras point, qui est utilisé comme le titre français, pour moi me pose problème, parce que surtout dans sa formulation grammaticale, c'est comme ça que le commandement de Dieu a été traduit en français. Je suis pas sûr que ça soit exactement comme ça qu'il faudrait le traduire finalement. You shall not kill. Je sais pas exactement, mais le fait est que pour moi la grosse différence avec une autre traduction qui pourrait y avoir mais que je n'ai pas, c'est que tu ne tueras point, pour Desmondos, c'est pas un but, c'est une base. C'est pas un but qu'il cherche à atteindre. Il est pas en train de lutter pour ne pas tuer. Ça, c'est une étape qu'il a déjà passée en fait dans la première partie, dans son enfance. Il a un moment, il s'est battu contre son père. Il a eu une forme de révélation tragique, parce que du coup, son père était avec une arme. Il était en train de menacer sa mère. Desmond a débarqué, lui a chopé l'arme des mains, a braqué son père. Et il le dit à un moment, quand il est dans une tranche, dans un trou d'obus avec un de ses bidasses de copains, il lui dit, bah voilà, mais dans mon cœur, je l'ai tué. Et à partir de ce moment-là, je le braquais, j'ai pas tiré, mais dans mon cœur, je l'ai tué. Et bah voilà, j'ai une vraie rupture. Et je me suis dit, non, plus jamais, plus jamais, je ne toucherai une arme. Et non, je ne peux pas tuer, quoi. Et donc la révélation, il l'a eu avant d'arriver sur le machin. C'est une base. C'est pas un but qu'il cherche à atteindre. Et donc évidemment, ça m'a fait penser à Serpico, et ça m'a aussi fait penser, parce que c'est pas uniquement à Serpico, à ce personnage de Howard Roark, du coup, qui est le personnage principal de la source vive de Ayn Rand, qui est donc l'écrivaine d'origine russe, du coup après américaine, que King Vidor a adapté avec Gary Cooper dans Le Rebelle, qui est un film que je trouve super. Donc c'est l'histoire d'un architecte, hein, pour le coup, et qui donc Ayn Rand qui a créé qui a donné naissance à l'objectivisme. Et Howard Roark, c'est ce personnage qui, pareil, va rester droit dans ses bottes. Alors, c'est différent d'un Serpico, parce que lui, pour le coup, c'est pour, il va lutter pour faire accepter son besoin d'indépendance aussi, et de une conviction artistique aussi, en fait. Il y a beaucoup de ça, en tout cas une conviction esthétique qui se veut originale et qui représente aussi sa personnalité. Et c'est un peu complexe, l'objectivisme, hein, mais je conseille en tout cas déjà de voir Le Rebelle de King Vidor, et puis de lire la Source Vive, qui a, comme tu me le rappelais aussi, un peu aidé à Tomorrowland de Brad Bird. C'est Brad Bird, hein. Ouais. Oui, c'est Brad Bird. Et en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a assez fasciné, parce que c'est dans Tu ne tueras point, parce que ça, c'est pas tellement que ça justifie une dernière partie où justement le personnage
ne va pas évoluer. Il n'y a pas de progression narrative particulière dans la dernière partie de Tu ne tueras point, parce qu'au contraire, sa lutte, c'est de rester fidèle en fait à lui-même. Et oui, c'est rare en fait. Moi, c'est quelque chose que je vois très très rarement, et surtout qu'il parvient à le faire. Et c'est là que je pense qu'il y a du talent énormément, c'est qu'il parvient à le faire sans être chiant, parce que normalement, quand tu prends n'importe quelle narration, n'importe quel récit linéaire comme peut l'être justement Tu ne tueras point, si ton personnage principal n'évolue pas, s'il a pas une révélation, s'il a pas c'est une règle normalement justement à proscrire dans l'écriture scénaristique ou dans la mise en scène. Il faut que ton personnage évolue, qu'il ait un truc. Là, au contraire, jamais. Enfin, dans la dernière partie, surtout pas justement, il faut qu'il tienne à son machin quoi. Oui, moi après c'est le problème aussi que j'ai avec Tu ne tueras point, c'est que je le trouve absolument brillant dans ces trois premières parties, mais la dernière partie, justement celle qui concerne Desmond Ross, qui est tout seul sur le haut plateau en train d'aller sauver tout le monde, je la trouve justement où là effectivement, et c'est là où c'est son épiphanie effectivement, où il est justement en train d'accomplir son devoir de soldat, ce qu'il imaginait être son devoir de soldat, d'aller sauver tout le monde. Oui, il est venu pour ça. Il est venu pour ça, il sauve tout le monde. Il y a finalement pour moi trop peu d'obstacles qui se dressent devant lui pour qu'il accomplisse sa mission. C'est là où Mel Gibson, pour moi, tombe dans à peu près les mêmes travers que dans La Passion du Christ, c'est-à-dire que La Passion du Christ, finalement, c'est la même chose, hein. C'est le bonhomme. C'est la même le chose. Le bonhomme qui est là pour endosser la souffrance du monde, il l'encaisse pendant 2 heures, c'est un film hyper chiant, voilà. Non, c'est pas hyper chiant. Moi, je trouve ça hyper chiant, fascinant, mais théoriquement, et presque, voilà, genre, mais comment on peut faire ça? Voilà, je fais que de me dire ça devant le film là, je me dis, comment tu peux faire un truc comme ça, c'est pas possible. Mais, objectivement, je pense que le film est chiant. Il est, évidemment, il peut être viscéral, il peut être te titiller parce que c'est hyper violent, mais je trouve que c'est hyper chiant et dramaturgiquement je trouve ça nul et sans absolument aucune dialectique, parce que c'est mis en regard avec rien, si ce n'est dans La Passion du Christ avec quelques petits flashbacks qui correspondent à justement à la pastorale. Mais là il fait mieux justement, parce que là c'est mis en lien avec tout ce qu'on a vécu avant, bien sûr. Mais moi je trouve ça plus intéressant, même si c'est très très convenu et tout ça dans la scène de procès, voilà. Voilà, c'est pas ma partie préférée du film, la scène de procès où justement il s'élève contre toute la hiérarchie militaire, où qui vont lui dire mais attends, c'est n'importe quoi ce que tu dis, tu veux t'engager dans l'armée et pas tenir une arme, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Mais c'est la guerre. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux être utile maintenant? Mais je trouve que dans la partie là où Mel Gibson pour moi il se chie un peu dessus, c'est que pour moi il aurait pu être beaucoup plus pervers là-dessus, et je pense que c'est là où il baisse les bras un petit peu. C'est que là il y a un moment, il y a des dilemmes moraux où il aurait pu vraiment être beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on le voit bien qu'il veut faire ces choses-là dans le film. Il veut faire en sorte de montrer des moments où le Desmond qui doit sauver quelqu'un, pour sauver quelqu'un, il faut qu'il prenne un flingue pour tuer le bonhomme qui va l'empêcher de sauver quelqu'un. Voilà, on est en face, on est dans une situation de guerre, donc forcément, il va être obligé de faire, il pourrait être dans une situation où il va être obligé de commettre un meurtre ou un acte violent pour pouvoir sauver quelqu'un. Donc c'est des trucs absolument intenables moralement, c'est intenable. Mais en tout cas, dans la dernière partie, qui est une pure épiphanie du personnage qui vit vraiment son moment glorieux où il va sauver tous les gens, il va aller chercher tous les gens, tous les blessés. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va tenir physiquement? Il y a quelque chose quand même de pour moi, limite, il y avait même autant de tension presque dans la partie, pas pendant l'assaut, parce que l'assaut c'est pour le coup la partie où la tension est vraiment à son maximum, mais il restait une tension vraiment particulière dans cette section. L'idée c'était, est-ce qu'il va réussir à tenir en fait, est-ce qu'il va, moi j'étais quand même dedans, surtout que j'avais envie, même si évidemment moi l'histoire de Dieu qui de lui qui prie, tout le bordel, ça ne me touche pas quand il y a les prières, quand la troupe, avant la séquence finale, quand la troupe l'attend parce qu'il a il est en train de prier, c'est une scène qui pour moi ne fonctionne pas du tout, et qui m'a gêné, qui m'a même embarrassé comme scène, mais voilà, après je
ce que j'apprécie aussi, c'est que Mel Gibson prenne des risques, en fait, qui soit jusqu'au boutiste comme son personnage. C'est vraiment, il y a une vraie cohérence pour moi entre la mise en scène et son personnage, et c'est là aussi que cette dernière partie pour moi est importante et forte. C'est que justement, c'est, je comprends très bien pourquoi toi tu vas pas rentrer dedans, mais moi là il y a une vraie cohérence qui s'installe entre le personnage, entre la mise en scène et ce que Mel Gibson a voulu installer depuis le départ. Justement, c'est de vouloir s'en tenir à ce que et malgré toute la difficulté que ça peut être, alors même si je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être beaucoup plus pervers qu'il aurait pu installer, même sans parler de danger dans les conflits qu'il pourrait y avoir, les dangers qu'il pourrait y avoir sur le territoire, il aurait pu installer des choses, mais même sans parler de ça, il aurait pu y avoir, j'attendais une surprise, j'aurais du mal à le dire, parce que justement, j'aurais voulu quelque chose auquel je ne peux pas m'attendre. C'est vraiment ça que j'aurais voulu. Or là, c'est vrai qu'il n'y a pas, une surprise particulière, l'attention tient au fait, et l'intérêt tient au fait que, voilà, là il y a une vraie cohérence qui s'installe en fait dans cette partie-là. Et moi, je me suis dit, putain, mais ça reste courageux au risque justement de perdre peut-être du spectateur ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Mais au moins elle est installée, cette cohérence, et finalement le but du film est du projet est atteint à ce moment-là en fait. Oui, non, probablement. De toute façon, c'est très cohérent. Évidemment que de toute façon le film est très cohérent. Mais parce que c'est tout ce qu'on peut attendre de ce genre de film, un scénario comme ça, de toute façon, c'est du pain béni pour un récit hollywoodien. C'est du pain béni. Oui, moi, avec tout le respect que j'ai pour le cinéma hollywoodien, que je tiens pour un des plus grands. J'espère voilà, bien. Et, évidemment. Mais Mel Gibson, je l'attends pas sur ce terrain-là. Je l'attends sur un terrain beaucoup plus pervers. Je suis d'accord. Et là, évidemment, il le fait. Il le fait avec tout son bagage en plus. extrêmement catholique là évidemment, et on va le voir, oui, avec des stigmates qui se foutent sur les enfin c'est très symbolique, oui, hein, voilà, c'est bourré de trucs comme ça, l'aveugle, il a ses mains nettoyer. Qui saignent parce qu'il y a sa corde, la corde qui lui permet de faire descendre les blessés qui crée des plans extraordinaires quand même. Enfin, les premiers corps qu'il fait descendre, ça c'est un peu avant, mais les premiers corps qu'il fait descendre, de les voir débarquer dans le fond comme ça, il a une construction picturale qui est constamment merveilleuse quand même. Enfin, moi, il y a des plans, enfin le film regorge de plans quand même, pour revenir sur quelque chose de positif, de très positif. Le film regorge de plans qui visuellement sont extraordinaires, et moi j'avais pas vu ça depuis je sais pas. Oui, non, je pense qu'il y a ça, parce que évidemment moi je pense au plan, des mains évidemment qui sont en sang, qui vont nous rappeler les stigmates et compagnie, mais qui jusqu'au vont jusqu'au plan final, hein, même on est sans avoir de bagages et tout ça, voilà, il y a un côté, voilà, quelle souffrance je dois endurer pour arriver à une sorte de transcendance de mon idéal premier qui va me mener vers Dieu machin. Mais il y a aussi, voilà, il y a le dernier, un des derniers plans une sorte de baptême ou je sais pas quoi, où il est regorgé d'eau ou je sais pas quoi. Ah oui, ça c'est Flashdance. Mais c'est le plan Flashdance. Mais il y a un côté hyper iconique, tu dis ouais putain le mec c'est incroyable. Évidemment, moi je suis c'est toujours Flashdance, mais c'est couillu en même temps de faire un truc comme ça, mais c'est Flashdance. Oui, quoi. C'est couillu. Après je me dis, est-ce que c'est couillu, parce que moi voilà, je suis complètement athée, je me dis putain, je vois ça, je me dis mais comment tu peux faire ça encore en 2016, de montrer un bonhomme qui est lavé par une douche de flotte, c'est un baptême quoi, c'est une scène de baptême, donc il se lave du sang de l'ennemi et tout ça, il renaît ou je sais pas ce que c'est comme au niveau symbolique, mais en même temps picturalement le plan est hyper fort mais tu dis ça mais je retrouve là en tout cas tout ce que je peux aimer chez Gibson, c'est que il y a un côté hyper ambigu c'est pas dialectique non plus, mais il y a un côté schizou chez lui, quoi. Enfin, mais complètement, mais c'est il y a toujours le côté schizou. C'est même le rapport avec, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec son rapport avec la violence. À savoir de prendre un personnage d'objet de conscience, pacifiste, végétarien, et voilà, et qui est là pour sauver les vies, et nous on est avec lui. Comme je disais tout à l'heure, l'identification marche à 100, à fond, avec ce film. Donc on est dans la peau d'un objet de conscience. En même temps, il nous plonge dans l'enfer. Et il se fait plaisir à filmer cette boucherie, parce que c'est quand même une très 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 grosse boucherie. Et là c'est pas un paradoxe, c'est juste qu'il a en effet ce côté schizo
qui marche à merveille parce que c'est évidemment il y a rien de simple dans son cinéma et ni dans ses personnages. Il y a constamment une lutte et la lutte il la fait pas vivre via justement des dialogues tout pourris. Il la fait vivre directement en fait dans les tripes du spectateur. C'est ça que moi je trouve merveilleux en fait. C'est qu'on va pas avoir un discours, on va juste ressentir cette problématique. C'est une vraie problématique pour le coup, quoi. Parce bien sûr. Ouais, moi je pense que enfin c'est assez réussi dans le film. J'ai quelques réserves, mais moi aussi voilà, j'ai des réserves même sur la musique par exemple. Oui. Mais c'est très réussi et je pense que c'est assez sur certaines scènes, comme je disais, la scène de la prière pour moi ne fonctionne absolument pas et fait tomber. On n'a pas parlé non plus du générique de fin qui moi évidemment m'a beaucoup embarrassé. Où là pour le coup on se trouve avec des images d'archives documentaires du vrai Desmond Doss qui est en train de répéter des images des scènes qu'il a vécues et qu'on a vues déjà dans le film. Moi, non seulement ça n'a aucun intérêt, mais en plus ça te fait quitter la séance sur ces images-là qui te ramènent à quelque chose de documentaire, voilà. Enfin, ça m'a absolument pas plu de terminer là-dessus. Donc oui, le film est pétri de semi-échec, je vais dire. Mais ce qui fait encore plus ressortir pour moi les choses complètement folles et impressionnantes que j'ai pu voir finalement. Il a aussi l'intelligence, je pense, enfin je sais pas si c'est une intelligence ou une chance de ne pas garder son film sur la même note justement. On n'a pas affaire à constamment des morceaux de bravoure. On n'a pas affaire à constamment une émotion qui va te transpercer le cœur. Et justement, il y a des trucs qui sont moins bien réussis que d'autres aussi. Et c'est là que tu vas te rendre compte que telle ou telle scène, elle est en termes de mise en scène ou en termes de ce que ça raconte, extrêmement forte et très rare dans ce qu'on peut voir dans le cinéma. Et sans même m'arrêter au cinéma contemporain et au cinéma de 2016 qui était très pauvre. Extrêmement pauvre, nul, à chier, sans m'arrêter là, moi, ça faisait très très longtemps que, mine de rien, j'avais pas vu ça, même malgré la grosse attente que je pouvais avoir. C'est là aussi où on pourrait peut-être enchaîner justement avec des propos qu'il a pu tenir et qui clairement l'ont motivé aussi dans la mise en scène de ce film. C'est celle des super-héros et du tout numérique et de l'espèce de ravage numérique et de comment ça a aseptisé la violence dans le cinéma. Donc c'est évidemment, elle s'en prend au super-héros Marvel, mais je pense que DC Comics y passe aussi. Il a tenu des propos pour dire que pour lui les films de Marvel c'était de la merde, que les super-héros ça apportait pas de lycra ou quelque chose comme ça. Et clairement on peut voir dans ce film ça reprend aussi clairement un scénario de super-héros classique avec un type qui va même découvrir ses pouvoirs, qui va passer par l'apprentissage et puis qui va s'en trouver du coup ensuite à justement utiliser ses super pouvoirs. C'est intéressant qu'il prenne Andrew Garfield qui a fait Spider-Man pour justement jouer ce truc. Et puis en plus de toute façon c'est dit clairement dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Hollywood et qui se fait laminer la gueule, qui est obligé d'être pris en charge, voilà. Et c'est très amusant de voir un type bodybuildé avec une petite moustache ramper dans la boue à poil. Voilà, mais il y a clairement aussi là, je pense, en utilisant toute cette justement idée du super-héros et du cinéma actuel, parce que c'est vrai que là pour le coup, on est submergé. Enfin, là les Marvel, c'est tous les 2-3 mois, je crois qu'il y a un film Marvel qui sort. C'est vrai que c'est omniprésent, c'est absolument omniprésent et depuis plusieurs années. C'est-à-dire que là, ils jouent pas contre juste un effet de mode, ils jouent contre quelque chose qui est installé et qui est là pour rester encore un petit peu quand même. Et il y a quelque chose quand même dans son film du contre ce grand tout qui prend toute la place. C'est amusant parce que son film est sorti en même temps que le dernier Marvel, Doctor Strange, qui est passé devant lui, qui a été un succès aux États-Unis, un gros truc, Doctor Strange, mais son film est clairement contre justement toute cette forme de cinéma qui va tuer des milliers de personnes, beaucoup plus que dans son film. Sauf qu'on s'en fout complètement, ça en a déjà parlé, on le retrouve dans l'interview du coup de 89 aussi. Mais c'est évident que du coup, lui, pour le coup, il va contre ça. C'est pour ça qu'on les corps ont aussi mal dans son film. Et là aussi, il y a un geste qui est pour moi très très fort, quoi. Oui, et puis qui marche toujours chez Gibson. Mais il y a toujours ce truc extrêmement paradoxal chez Gibson qui est passionnant, c'est que
Évidemment, quand on connaît Gibson, on sent très bien à n'importe quelle scène que Gibson est en train de jouir quand il filme des grosses explosions. Ah oui, il y a là-dedans où c'est génial, c'est comme dans Apocalypto où quand d'un moment t'as une inspiration géniale ou d'un coup quand il y a des tortures parce que c'est là-dedans qu'ils sont à l'aise, c'est ça qu'il veut voir et c'est pour ça qu'il va se donner des coups de fouet. Il va s'en vouloir de filmer des choses comme ça. Mais c'est tout ce paradoxe-là de ce bonhomme-là, bah, il se ressent dans son cinéma. C'est vraiment, là, c'est du pur cinéma chrétien pour ça. C'est du pur cinéma de culpabilité. C'est du pur cinéma de chrétien qui a une idéal de pureté, qui a un inconscient qui veut avoir du sale et qui veut de la violence. Et, voilà, un surmoi qui lui donne des coups de fouet en même temps. Et c'est en ça où là c'est tout visible, c'est vraiment une âme mise à nu quoi. C'est toujours très très chouette. On va arrêter ce bonus à moins que t'aies un dernier point sur. On va arrêter ce bonus et puis on vous remercie pour les quelques courageux qui ont écouté jusqu'au bout cette émission. On va se quitter avec un dernier extrait de L'Arme Fatale 3, la merveilleuse scène très romantique et moi je reste convaincu que la première partie en plus de Hacksaw Ridge, l'histoire d'amour qui propose entre Teresa Russell et puis Andrew Garfield, moi je trouve que c'est une très très belle histoire qui est faite extrêmement simplement en plus, enfin je veux dire vraiment il en fait pas des des caisses, il va pas chercher de mélodrame ou jamais, il y a pas de mélodrame là-dedans, c'est une très belle histoire d'amour qu'il est en train de filmer de façon vraiment honnête, ça pue l'honnêteté ce qu'il filme, il y croit. Ouais, c'est très naïf, c'est très simple, on dirait le début de Là-haut. En fait. Mais oui, il y a de ça, et je trouve ça super beau, en fait. C'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues depuis longtemps au cinéma. Et il filme juste de l'amour, il filme pas une tragédie amoureuse, il filme en plus une histoire d'amour, ce qui est quand même aussi assez rare, parce qu'en général, quand tu filmes une histoire d'amour, il faut forcément, on en avait parlé il y a quelques années, je crois, avec un de nos auditeurs, avec Jérôme, monsieur Alphagraph, qui me demandait, mais où est-ce qu'on peut voir un vrai film d'amour, pas un film d'amour qui se termine en tragédie avec quelqu'un qui meurt ou quelqu'un qui se sépare, juste une belle histoire d'amour, ce qui ne se fait pas au cinéma, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit. C'est juste une belle histoire d'amour, il n'y a pas de conflit, nanana. Et en fait, là, il y est parvenu dans une première partie à faire une belle histoire d'amour et c'est très rare, voilà, donc bravo Mel Gibson, je vais pas me raser la moustache. Tu as gagné. On se quitte avec cet extrait de L'Arme Fatale 3 où montre-moi ta cicatrice. Merci Antonin, merci à vous, à très bientôt, des bisous. Ouais, et elle va comme ça jusque dans le dos. Dans le dos, quelle chance. Quoi, c'était un 22? Un 38, Rick. Un 38? Oui, un 38. Ça, un 38? Oh non, c'est 3 minutes pour un 38. Ça, c'est un 38. La vôtre est plus grande que la mienne? Ah oui, je crois. Non, ça, je crois pas. Hein? Ah, oh, peut-être pas. Ben, regardez-là. Toute une famille de 44. Ouais, de 44? Ouais, vous les voyez? Oh, c'est impressionnant. Une des balles m'a traversé, elle est allée se planter dans mon poumon. Je pouvais plus respirer, je faisais des bulles de sang. Vous faisiez des bulles de sang? Ouais. Ok. Vous avez mieux? Mm-hmm. Fusil à pompe, calibre 12. Ah oh, oui. Mm-hmm. Ouais, tenez, juste là. Ah. Elle a traversé. Ça doit faire très mal. Ah oui. Pas trop près. Friggs, plus près, je serais morte. J'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Je vous crois sur parole. Non, non, il faut que vous voyez ça. Je vous crois sur parole. Avec un énorme couteau. Non, non, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Il me l'a planté dans la cuisse et il l'a tourné environ 8 fois. Mais vraiment, il l'a tourné 8 fois. Je vous crois sur parole, Riggs. Non, regardez. Non, laissons tomber. Hein. Allez, celle-là mérite la palme, il faut la voir. Oublions ça, Riggs. C'est vous qui avez commencé. Oui, ben maintenant, c'est moi qui termine. Vous savez pas, vous êtes une mauvaise perdante. J'ai pas perdu, Riggs. Si, alors. Non, j'ai pas perdu. Si. J'ai cédé. Vous avez perdu. J'ai cédé. Il y a une grosse différence entre perdre et céder. Vous avez cédé ou vous êtes excédé? J'avais excédé. Ah oui. Vous avez perdu, admettez-le. Je vais chercher un pansement. Alors dites-moi, vous avez perdu. J'ai dit de ne toucher à rien.